Karol Kusera, le futur vainqueur. C'est Schalken qui est entraîné par Henk Van Hulst, mais également de temps en temps par Alex Reinders. Alex Reinders qui est le coach, entre guillemets, qui a fait Jaco Elting et Paul Aruis, qui fut en son temps l'une des meilleures paires de doubles au monde. Bien évidemment, Pete Sampras est lui entraîné par Paul Anacone depuis le mois de janvier 1995 maintenant. C'était ici même, à l'Open d'Australie, que les deux hommes avaient travaillé pour la première fois ensemble suite à la maladie de Monsieur Gullickson, l'ancien coach de Pete Sampras, décédé aujourd'hui. Pete Sampras est également accompagné par Todd Snyder, ancien kiné du circuit, qui travaille maintenant à la préparation physique de Pete Sampras. Qui va pouvoir débuter maintenant entre Sieng Schalken, 52e à l'ATP, et Pete Sampras, tête de série numéro 1 de ce tournoi et numéro 1 mondial. Le Néerlandais au service. Être dirigé par Monsieur Dennis Overberg. Avec à l'instant la victoire de Marc Rosset, Sabrina de McPhee, 6-4 dans le 5e set. Qualification également d'Aza Carlson face au Dominikovic. Qui sort, et Sieng Schalken qui remporte ce premier jeu de service pour s'installer en tête donc dans cette première manche. C'est important pour le Néerlandais de bien rentrer dans cette partie. On a vu Pete Sampras venir une première fois au filet avec une balle un peu basse à négocier. Il a manqué un peu de flexion l'américain. Il va mettre quelques jeux bien évidemment à rentrer dans cette rencontre. Sieng Schalken que l'on a vu lui un peu plus timoré. Il sera intéressant de suivre également le premier jeu de service de l'américain. A noter qu'il y a une forte colonie néerlandaise sur ce central de Melbourne aujourd'hui, tous d'orange vêtus. À mon avis, on aura beaucoup d'ambiance, surtout si Sieng Schalken se met à tenir tête à Pete Sampras.
retour sur cette deuxième de la part de Sing Schalken. Justement a décidé de laisser très peu d'espace à Pete Sampras sur les services de l'Américain puisqu'il n'hésite pas à rester à l'intérieur du cours pour relancer notamment la première de l'Américain. Ça demande forcément beaucoup de contrôle. C'est l'occasion pour Pete Sampras de revenir un partout. Surpris par la longueur de la balle de Pete Sampras, Sing Schalken. Il a manqué un peu de rapidité dans le déplacement du Néerlandais, qui déjà se retrouve en difficulté sur son deuxième jeu de service. Et la première balle de break. Schalken qui concède son service pour la première fois et qui se retrouve mené 2-1 face à Pete Sampras. Pete Sampras qui mène 2-1 à l'Américain au service.
Et il reste toujours très près de sa ligne de fond de course, Schalken. Il est décidé à ne pas céder. Ça marche pas vraiment une fois sur deux, mais presque. Pour le moment, c'est pas mal. En revanche, il n'y avait pas grand-chose à faire et c'était le service le plus rapide pour Pete Sampras depuis le début de cette rencontre, 195 km/h. Et l'occasion pour lui de mener 3 jeux à 1. Voilà qui est fait, break confirmé pour l'américain. Il mène 3 jeux à 1 après 12 minutes de jeu. Alors que sur le cours numéro 8, Fabrice Fontereau mène maintenant 4 jeux à 1 dans la 5e manche face à Emilio Alvarez. Français qui est en train de se sortir de ce guépier, ce match du premier tour face à l'Espagnol. Il avait joué une balle un peu courte dans l'échange et on a vu Pete Sampras venir en profiter immédiatement avec un slice de revers peut-être un peu court, ce qui a permis au Néerlandais d'appuyer son passing. Et à l'instant, qualification de Francisco Clavette face à Lars Burksmüller, 4 manches. Manifester au cours des échanges. Et deuxième ace pour Schalken. Remporté par Sing Schalken, mais qui compte toujours ce break de retard, le Néerlandais est emmené 3 jeux à 2. Il est clair que l'entente qui existait entre Pete Sampras et Tim Gullikson était quelque chose d'assez rare sur le circuit maintenant, mais il est en train de se construire un type de relation assez semblable entre Pete Sampras et Paul Anacon, en tout cas l'Américain, qui compte bien travailler avec son compatriote encore pendant de nombreuses années, je vous l'ai dit. Pete Sampras qui mène 3 jeux à 2 face à Sing Schalken. Très précoce. Belle rapidité, un beau déplacement pour venir tourner ce revers. Et derrière le deuxième ace de Pete Sampras qui était en difficulté sur ce jeu de service. Encore mené 15-30.
l'occasion pour le Néerlandais, attention, de venir débriquer l'Américain. Deux balles de break pour Sink Schalken. Pete Sampras n'aura pas passé beaucoup de premières et les bonnes intentions de Sink Schalken, à savoir venir prendre la balle très tôt, venir faire ses retours très tôt en restant à l'intérieur du cours, a payé. Il y a du déchet bien évidemment devant une telle prise de risque, mais ça a payé, 3 partout. En revanche c'est moins bien, première double faute du Néerlandais. Sa ligne. Dans le filet, Sink Schalken. Il a entrepris un véritable bras de fer pour le moment avec Pete Sampras en fond de cours. Sur des revers croisés depuis de Sampras un peu court. Et l'occasion à nouveau pour les Néerlandais de mener 4 jeux à 3. D'ailleurs, une nouvelle balle de 4 jeux à 3. Oh.
total dans cette volée de la part de Pete Sampras. C'est clair qu'on ne voit pas beaucoup les deux hommes au filet pour le moment. En revanche, dès que l'un des deux hommes joue un peu court, derrière, l'adversaire en profite immédiatement pour prendre l'initiative pour accélérer. Et c'est une nouvelle balle de break pour Pete Sampras. Négocié pour Signe Schalken. Indéniablement le plus haut point depuis le début de ce match. Oh qu'il est haut le néerlandais pour venir chercher cette balle. Et l'occasion pour lui à nouveau de mener 4-3. L'échange s'éternise maintenant. C'est lui qui se retrouve peu à peu sous la pression de Pete Sampras. Nouvelle égalité. Une nouvelle balle de 4 jeux à 3, encore une fois, avec une première de droite à gauche placée qui a sorti Pete Sampras hors du cours. Peut-être à utiliser un peu plus souvent pour le néerlandais. Et enfin, ce fut laborieux, mais Signe Schalken remporte le jeu de service après avoir effacé deux balles de break et il mène 4-3, première manche, 27 minutes de jeu. Pete Sampras au service, il est mené 4 jeux à 3, première manche, face à Signe Schalken.
Mike, l'un des premiers enchaînements de service volé, tenté par l'Américain, il réussit. Et tout pour revenir à 4 partout. Deux nouvelles balles de break, en faveur de Pete Sampras. Les balles de break quasiment synonymes de balles de première manche, puisque derrière l'Américain, s'il fait le break, servira pour le gain de la première manche. La première est sauvée. Sauver deux balles de break sur son jeu de service précédent, Sing Shalken. On sent bien encore une fois Sing Shalken, puisque sur ce type d'échange, c'est lui qui recule peu à peu et qui cède peu à peu à la puissance de Pete Sampras. Néanmoins, il sauve cette deuxième balle de break. C'est rare de voir Pete Sampras laisser passer autant d'occasions. Longueur de balle étonnante, mais c'est néanmoins indispensable si on veut poser des problèmes à Pete Sampras. Et il tient pour le moment le Néerlandais, même s'il est bousculé sur ses jeux de service, il tient et il mène 5 jeux à 4. Voici un surnom pour Pete Sampras original, Petit Boy. Pourtant il n'a rien de petit, Pete Sampras. Même si pour le moment c'est Sing Shalken qui mène 5 jeux à 4 dans cette première manche. Et une bonne nouvelle avec la qualification de Fabrice Santoro, 6-4 dans le 5e set face à Emilio Alvarez. Il y aura donc au moins deux Français au deuxième tour, puisque tout à l'heure c'est Cédric Kelin qui
s'était qualifié. On profitera d'un prochain changement de côté pour faire un petit récapitulatif de tous les résultats. Pour l'Américain. Ça c'est le 103 spécial, il adore jouer ce coup, il le fait très très bien, c'est spectaculaire pour sûr, 5 partout, c'est au passage le deuxième jeu blanc réussi d'affiler sur son service par Pete Sampras, qui revient à 5 partout dans cette première manche, et regardez l'extension étonnante de Pete Sampras qui est un grand amateur de basket, d'ailleurs pas maladroit non plus ce sport là, 5 partout, première manche, 37 minutes de jeu. C'est un peu trop flottante cette balle pour véritablement gêner Sing Shalken. Ah mais c'est un peu long, il a manqué de toucher sur sa dernière balle, Sing Shalken, mais à chaque fois que Pete Sampras est venu accélérer en long de ligne, une première fois côté coup droit, une deuxième fois côté revers, à chaque fois il a réussi à déborder, Sing Shalken venant conclure au filet, regardez cette accélération long de ligne sur le revers du Néerlandais qui joue son revers en reculant, à nouveau deux balles de break pour l'Américain. Shalken, sans prince, pas persuadé que cette balle effectivement était faute. Demande confirmation à monsieur Denis Soverberg. Et on va peut-être mieux se rendre compte sur ce ralenti. Bah, sur ce ralenti, en tout cas, elle semblait bonne. Première balle de break effacée par Shalken, sa cinquième d'affilée. Thank you.
Non, elle sort cette fois-ci. Pete Sampras qui prend pour la deuxième fois le service de Cyril Schalken et qui du même coup, dans une petite minute, va servir pour le gain de la première manche. Il mène 6-5. On va profiter de ce changement de côté pour faire un petit récapitulatif des résultats dans le tableau, messieurs. Pete Sampras, s'il s'impose, retrouvera au deuxième tour David Sanguinetti qui a battu Alberto Martin. Qualification de Gustafsson face à Van Schepingen. Slava Dozedel a battu Arnaud Butch en 4 manches, 6-4, 3-6, 6-3, 7-6. Qualification de Francisco Clavel face à un qualifié Lars Burkmüller. Hicham Arazi a battu Hendrik Breckman en 3 manches. Qualification de Daniel Vacek face à Leighton Hewitt, ce jeune Australien qui avait remporté le tournoi d'Adélaïde il y a de cela 10 jours. Victoire en 5-7 pour Vacek. Victoire de Nestor face à Gilbert Schaller. Michael Kilström a battu Leander Paech, Sébastien Larrot a créé une petite surprise, on en est à bout de Magnus Norman, qualification de Richard Framberg face à Todd Larkham, de Carlos Moya difficilement face à Peter Tramacci, de Jonas Björkman face à Belo Brajdic, l'Australien, et de Wayne Ferreira face à Jan Kroslak. On verra la suite des résultats tout à l'heure. Sampras au service, il mène 6 jeux à 5 face à Cyril Schalken. Match qui a débuté depuis maintenant 42 minutes, l'Américain servant pour le gain de la première manche. C'est sa cinquième faute en direct en coup droit. Sixième ace. Une première à 192 km/h, le septième ace de l'Américain qui obtient 2 balles de première manche. Une première manche finalement bouclée sur un troisième ace d'affilée pour porter son total à 8, 43 minutes. Voilà ce qu'il aura fallu à l'Américain pour remporter cette première manche, 7 jeux à 5. Il avait bien tenu Cyril Schalken jusqu'à son dernier jeu de service, un service qu'il a concédé pour la deuxième fois. Il avait réussi à refaire son retard sur le premier. Il eût été étonnant de voir Pete Sampras tout de même et laisser revenir une deuxième fois le Néerlandais et qui maintenant compte une manche de retard et c'est lui qui entame au service le deuxième set. Technique qui empêche malheureusement Eric de Blicquer de pouvoir commenter avec nous. Il est très déçu de ne pas pouvoir participer à ce match entre Pete Sampras et Cyril Schalken.
Schalken de ne pas entamer cette deuxième manche avec un break de retard. C'est une balle de break pour l'Américain à l'entame de cette deuxième manche. De break sauvé par King Shalken. La sixième qu'il sauve, même s'il a déjà concédé son service à deux reprises. Pas content, Peter Pass, puisqu'il avait fait la différence sur ce coup. On va le voir, un revers court croisé. Cela lui aura offert une balle de break. Eh bien, il a tout de même cette balle de break, sa deuxième dans ce jeu. Deuxième manche face à King Shalken après 50 minutes de jeu. Petit relâchement coupable, Pete Sampras. Persuadé que cette volée allait lui suffire pour faire le point. Salut.
Allez hop, le sortant spécial. Et un smash qui lui permet de mener deux jeux arrières maintenant. De prendre le match complètement en main, puis s'embrasse, il tente de plus en plus de choses. Il est probable qu'on le voit peut-être un peu plus souvent au filet maintenant. On avait vu Saint-Chalken le faire tout à l'heure, c'est au tour de Pete Sampras. Et c'est une nouvelle base de break pour l'Américain, l'occasion pour lui de mener trois jeux aériens. Il est en train de s'envoler dans cette deuxième manche, Pete Sampras. Un petit peu. Balle de break sauvée par Chalken. Solution en jouant sa volée directement sur le néerlandais. Et elle sort. Saint-Chalken qui remporte enfin son service dans cette deuxième manche, même s'il reste mené 2-1. Face au service, il mène une manche à rien et deux jeux à un face à Saint-Chalken, 57 minutes de jeu. De 100 km/h, le service le plus rapide de l'Américain depuis le début de cette rencontre.
Tranquille. Nouvelle aise de l'américain. 109e. Au premier dans cette deuxième manche. Toujours largement en tête l'américain qui mène 3 jeux à 1 maintenant. Après exactement une heure de jeu. C'est dans la rencontre qui oppose Sergi Bruguera à Carol Cousera sur le cours numéro 1. L'Espagnol avait remporté la première manche 6-3, il a perdu la deuxième 7-5. De la part de l'américain. Qui reste tout de même mené dans cette deuxième manche, 3-2 face à l'américain. Sampras qui reste en contrôle dans cette deuxième manche, même si on le voit commettre un peu plus d'erreurs que tout à l'heure. Il est vrai qu'il est largement en tête, qu'il peut voir venir. Vainqueur de ce match, un deuxième tour face à Davide Sanguinetti. A noter que le tableau de Pete Sampras a été relativement clément, puisque un troisième tour le verrait a priori être opposé soit face à Magnus Gustafsson, soit face à Slava Dozedel. D'autres quarts de tableau ont été beaucoup plus difficiles, on pense notamment à celui de Patrick Rafter. Qui va débuter demain et qui retrouvera dès le départ Tarango avec un éventuel deuxième tour face à Tom Martin et un éventuel troisième tour face à Andrei Medvedev. On passe au service.
Il mène 3 jeux à 2, deuxième manche, après avoir remporté le premier set, 7-5. Dixième ace pour l'Américain. Également un jeu blanc pour Pete Sampras. Son premier dans cette deuxième manche, son troisième depuis le début du match. 4-2. Ah, celle de Sampras, c'était sur la ligne, celle de Sinchalken un peu trop longue. Attention, le Néerlandais à nouveau malmené sur son jeu de service. Ouais, c'est parfait. Une montée peut-être un peu longue de la part de Pete Sampras. Quelle maîtrise dans ce passing du Néerlandais. Interception des deux lignes. Faute pour chacun. Ouais, c'est parfait. Et c'est une balle de break en faveur de Pete Sampras. Court dans sa montée vers le filet, c'est Sinchalken. Avec une bonne première sur l'Américain qui n'a pas eu le temps de se dégager. C'est une nouvelle balle de break sauvée par le Néerlandais. Qui remporte son service encore une fois après avoir été malmené, après avoir sauvé une balle de break. C'est la troisième fois que cela lui arrive dans cette manche. Néanmoins, il reste en tête et mène, il reste au contact, pardon, et n'est mené que 4 jeux à 3. Sampras au service, menant 4 jeux à 3 deuxième manche, après avoir remporté le premier set, 7-5. Vous avez la vision au
blessure de l'Américain. Il faudra peut-être à quel avenir. Il utilise des raquettes un peu moins tendues. Il est un des joueurs qui tend le plus sur le circuit, jusqu'à 36 kilos. Sollicitant du même coup énormément son bras, beaucoup plus que d'autres joueurs. On l'a vu à plusieurs reprises maintenant s'offrir du coude ou de l'épaule. Allez, néanmoins le service est toujours là. Ace numéro 11. Peut-être un peu lent au moment de déclencher sa montée vers le filet. Pourquoi il se fait surprendre alors qu'il n'a pas atteint la ligne de service ? Non. Ça, c'est un point donné par Schalken. Un point donné qui permet la France de mener 5-3 maintenant. Le Néerlandais au service pour rester dans cette deuxième manche. Quatrième ace pour Tieng Schalken. Deux hommes qui ont légèrement levé le pied, un rythme qui n'est plus aussi appuyé que lors du premier set, avec un peu plus de fautes. Qui reste au contact. Il n'est plus mené que 5 jeux à 4, mais dans une minute, son retour de Pete Sampras de servir pour le gain du deuxième set. Bientôt 8h du matin en France. Petit récapitulatif des résultats importants avec la qualification de Petr Korda, de Scott Draper, de Vince Spadea, Marc Rosset en 5-7, ce fut difficile, Jordi Burillo en 5-7 aussi. Cédric Culine face à Fernando Medigeli.
Abandon du Brésilien dans le troisième set après un set partout. Qualification de Prinosil, de Correcha, de Byron Black, Pozzi, Alex O'Brien, Campbell, Fabrice Santoro en 5-7 face à Emilio Alvarez, Wayne Ferreira, Jonas Björkman, Carlos Moya difficilement en 4-7, Fromberg, Laro, Tilström, Nestor, Vacek, Ichamarazi face à Hendrik Drekman, Clavette, De Zedel, et donc Magnus Gustafsson et Davide Sanguinetti dans le tableau messieurs. Peter passe au service, il mène une manche à rien. Et 5 jeux à 4 face au Sieg Schalken. Oh, la petite volée de l'Américain. Normal qu'il se fasse punir derrière. Il en fallait un. 12e ace pour l'Américain. Et deux balles de deuxième manche. Et un ace, et le 13e, une première à 171 km/h, mais néanmoins efficace suffisamment pour remporter cette deuxième manche 6-4. Une deuxième manche qui aura, elle, duré 33 minutes, la première 44, pour un total donc d'1h17. Les deux manches arrière en faveur de l'Américain, ça devient plus que compliqué pour Sieg Schalken. On le voit mal remonter de 7 de retard, même si c'est ce qu'il fit, par exemple, l'an dernier, face à Thomas Muschler au premier tour, avant néanmoins de s'incliner dans la cinquième manche. Mais attention donc à ce diable de Sieg Schalken, capable de renverser des situations compromises. Il avait entamé la deuxième manche en perdant son service d'entrée, Sieg Schalken. Un break après lequel il a couru tout au long du set sans pouvoir le récupérer. Une erreur à ne pas commettre dans cette troisième manche.
quartier des Néerlandais avec à nouveau une balle de break à sauver pour Sieg Schalken. Il faut une première. Et c'est en l'occurrence une première, deuxième qui ne lui a pas permis de prendre une initiative derrière. Bien au contraire, Pete Sampras qui profite immédiatement de cette opportunité pour faire le break et mener 1-0 troisième manche. Statistique du deuxième set, 73% de première pour Pete Sampras qui pourrait bien tuer le match dès le début de cette troisième manche puisqu'il mène deux manches à rien maintenant face à Sieg Schalken, qui l'a pris d'entrée de troisième set le service du Néerlandais. Tranquille. Première à 198 km/h. Et l'occasion pour l'Américain d'entamer cette troisième manche avec un jeu de service blanc. Car était difficile à jouer cette balle. Service blanc pour Pete Sampras. Pour le moment, le scénario de ce troisième set est identique à celui de la deuxième manche. 2-0 Sampras. Schalken au service. Il est venu faire le point à 10 reprises au filet Pete Sampras. Troisième double faute pour Sieg Schalken. Deux pour Pete Sampras. Sampras qui a failli là arriver plein pot sur la caméra. Il l'a évité de justesse. Et Sieg Schalken qui remporte finalement son service. Pour revenir à 2 jeux à 1, mais il a toujours un break de retard, Sieg Schalken. Pete Sampras au service, avec un nouvel ace, son 13e, l'Américain menant 2 jeux à 1 dans cette 3e manche, et surtout 2-7 à rien face à Sieg Schalken.
Il traverse seulement à 147 km/h, mais il y avait anticipé sur son revers Cenk Schalken. Ce ne sera pas un jeu de service blanc pour Pitampras. Mais ce sera un jeu de service remporté tout de même sans aucun problème, avec cette fois-ci une première à 180 km/h. 3-1 Pitampras. Énormément de risques, qui profite parfois des balles un peu courtes de Cenk Schalken sur les jeux de service de celui-ci, se contentant notamment l'américain de bien gérer ses jeux de service et donc son avantage. C'est un peu long. Il n'a pourtant pas besoin, Cenk Schalken, de donner des points à Pitampras. Celui-ci en gagne déjà suffisamment tout seul. Et c'est une nouvelle balle de break en faveur de l'Américain. Balle de break sauvée avec cette ace. Ce n'est que le cinquième de Cenk Schalken, soit trois fois moins que Pitampras. Moi, celui-ci était bien joué. Schalken qui remporte tout de même son jeu de service, encore une fois après avoir sauvé une balle de break. Il reste au contact, mais il est mené 3 jeux à 2 face à Pitampras. Pitampras qui mène tranquillement dans cette rencontre face à Cenk Schalken. 7-5, 6-4, 3-2 en faveur de l'Américain, service à suivre. Schalken tranquille.
Avec un instant de résultat chez les filles, la qualification de Grande B face à Chognessi, 6-4-6-3, et de Perfetti, face à Sandra Cassic, 5-7-6-4-8-6. Celui-ci permettant à Pete Sampras d'obtenir une balle de 4 jeux à 2, troisième manche. Ah, corde cassée pour l'Américain, néanmoins c'est tout de même un service gagnant. 4-2, Pete Sampras. Pas grand chose qui semble pouvoir l'arrêter, l'Américain. Casse sa première corde cassée depuis le début de la rencontre. Il a changé tout à l'heure de raquette, mais parce qu'il n'était pas satisfait de la tension, pas parce qu'il avait cassé une corde. Voilà les victimes du jour. Alors on est parti dans un cinquième set entre Nicolas Lapentti et Ronalbert Viloca. Vainqueur de ce match retrouvant au deuxième tour Fabrice Santoro qui lui-même a dû batailler 5-7, donc c'est pas plus mal. Qui semble
semble jouer cette fin de match pour la forme. C'est vrai que là, il n'y avait pas grand chose à faire. 16e ace pour Pete Sampras. Il l'a tenté, mais ce n'était pas utile. Et 3 balles de match pour l'Américain. Et bien voilà, un ace sur la deuxième, le 17e de 600 points, même si sur la fin, Shane Shalken a abandonné en cours de troisième manche. C'est une victoire en 1h40, solide de la part du numéro 1 mondial. 7-5, 6-4, 6-2 face au 52e joueur mondial. Pete Sampras qui n'aura pas dû apporter son talent aujourd'hui, qui restait cela dit concentré, appliqué notamment sur ses jeux de service. Commettant quelques fautes, c'est vrai, lors des échanges de fond de cours. Mais néanmoins, paraissant parfaitement en contrôle tout au long de cette rencontre. On l'avait vu, on l'avait trouvé un peu décevant peut-être à l'exhibition à Kooyong. Mais là, il est rentré dans le business américain. C'est un tournoi du Grand Chelem. Il est venu pour gagner. Et il remporte donc ce premier tour tranquillement face à Xiang Shalken.